Bonjour, j'espère que vous allez bien ce matin. Je suis super heureuse de vous retrouver pour notre instant tarot, comme d'habitude. Alors, on va débuter cette semaine de nouveau avec les lames qui nous accompagnent durant ce mois, c'est-à-dire la tour et la roue de fortune. Donc, comme je vous l'ai dit, depuis le début du mois, des lames qui sont en mouvement, mouvementées, beaucoup de choses imprévues qui peuvent arriver. Des changements, des cycles qui sont en train de se transformer aussi. Et ça peut être un mois qui est justement un petit peu challengeant parce que moins stable que d'habitude. Mais voilà, on est dans le changement et puis ce qui est important, c'est vraiment de vivre ces changements en pleine conscience et puis d'avoir nos ressources intérieures pour nous aider à bien les traverser. Donc la semaine passée, on était accompagné par les lames de la justice. Le défi, c'était l'ermite et notre ressource, c'était le pendu. Et ces trois lames, vraiment, elles nous disaient de saisir les opportunités et puis de ne pas résister. Alors, je ne sais pas pour vous comment ça a été. Pour moi, je vous avais dit que ça pouvait peut-être être un petit peu challengeant. C'était un peu challengeant parce que pour X raisons familiales, j'ai eu un fils qui s'est marié. Enfin, il y avait beaucoup de choses qui étaient là, donc beaucoup de gens qui étaient chez moi aussi. Et étant donné que je suis en plein lancement, pleine préparation de mon lancement, pardon, ben, c'est vrai que ce n'est pas toujours simple à tout manager. Et puis à un moment donné, eh ben, je me suis dit, ok, la ressource, lâcher prise, le pendu, poser ses limites. Et je me suis dit, ok, qu'est-ce que j'ai vraiment envie? Et c'est ça, hein, toujours la question, qu'est-ce que notre cœur, il a envie? Et pour moi, c'était priorité sur l'humain, sur ce qui était là, saisir les opportunités, ben, de passer des bons moments, de connaître des gens, d'échanger. Et j'ai mis ma priorité là-dessus. Et j'ai dû lâcher prise sur le côté que je voulais que tout soit... tout planifié, beaucoup en avance pour mon mini lancement. Mais voilà, et j'étais en accord avec ça. Donc je ne sais pas vous si vous avez été confronté aussi à de quelle façon vous avez été challengé un peu dans ce que vous vivez la semaine passée. Mais effectivement, c'était un peu remuant, on dira, mais juste magnifique. Alors cette semaine, quand j'ai été ressentir les lames, la tour, qu'est-ce qu'elle dit? C'est que c'est comme si cette semaine, on va avoir un peu une illumination. D'accord, une prise de conscience, une solution qui arrive, mais c'est quelque chose qu'on n'avait pas vu. Et vraiment, j'ai l'impression que c'est, je sais pas, le mot qui m'est venu, c'est illumination. C'est comme si tout d'un coup, il y avait peut-être quelque chose qui nous travaillait, qui nous préoccupait, puis tout d'un coup, ça fait « Ah, mais c'est ça !» Et puis, ça ouvre du coup une nouvelle voie, une nouvelle opportunité de nouveau. Et puis, la roue, qu'est-ce qu'elle me disait? C'est de rester dans le flou, de ne pas résister, même si, donc on continue avec ce lâcher prise, hein, je dirais, c'est comme si ben voilà, quelque chose va tourner du moment qu'il y a une illumination, qu'il y a une nouvelle voie qui s'ouvre, puis qu'on fait un choix, si on fait le choix d'aller dans cette voie, eh ben, c'est d'aller avec le mouvement, de rester dans le flou, de rester dans le mouvement, et puis de ne pas rester crochet à ce qu'on avait prévu avant. Donc, on verra comment ça va se passer cette semaine, mais je pense que ça risque d'être à nouveau intéressant. Et encore une fois, ben, étant donné dans la préparation de mon lancement, je montre bien l'illumination que je vais avoir et qu'est-ce qui va se passer. Mais dans tous les cas, ça va débuter comme prévu lundi prochain, le 25, du 25 au 29, aura lieu les 5 jours. Et puis la page pour vous inscrire est prête, je mets le lien en dessous, donc n'hésitez pas à vous inscrire. On va passer 5 jours juste magnifiques. Alors maintenant, on va tirer donc, les lames. Je vais tirer les lames de la semaine pour voir justement... qu'est-ce qui va accompagner cette nouvelle vision, cette illumination qui peut venir, cette solution, et puis cette nouvelle voie qui s'ouvre. Alors, la lame qui est là cette semaine également pour nous accompagner, le chariot. Alors, ça va bien, bonne nouvelle, parce que le chariot, c'est une lame vraiment d'aller en avant, de réussite. C'est vraiment comme si il y a quelque chose qui bouge. D'accord, quand on a l'impression qu'on stagne dans une situation... ben, peut-être avec ce qu'on a vécu la semaine passée, hein, on a dû trancher, mettre des priorités, ben, il y a certaines choses qui ont pu stagner, d'accord? Vous n'avez peut-être pas pu avancer comme vous voulez, comme c'est mon cas par exemple. Ben, le chariot, il nous dit, ok, cette semaine, il y a le potentiel, ok, on reprend, on y va, et puis on avance pour arriver à destination. Parce que c'est une lame de réussite, donc il y a la réussite dans la destination. Le mot, c'est l'harmonie pour garder le cap. Je ne sais pas pourquoi c'est ce qui vient, mais c'est ce qui vient. C'est-à-dire, c'est comme si trouver les moyens d'être en harmonie, mais de trouver cette harmonie qui nous permette de garder le cap, comme notre boussole intérieure, hein, bah, de pouvoir suivre cette boussole intérieure qui nous mène toujours, qui nous montre toujours le bon chemin à prendre. Voilà ce qui me vient. Et puis, je vois vraiment
son étoile au-dessus de sa tête. Je sais pas si vous voyez, là, il y a une étoile qui brille plus au-dessus. C'est pas très net, voilà. Au-dessus de sa tête, c'est celle-là qui m'interpelle, qui attire mon regard. Donc, c'est vraiment rester dans cette connexion aussi de demander d'être guidé. Moi, j'aime beaucoup employer les questions ouvertes. Donc, qu'est-ce que j'ai pas vu? Comment ça pourrait être mieux? Même si je suis pas sûre d'y arriver, mais je sais que je vais y arriver, même si je sais pas encore comment, si j'ai pas encore la solution. Et souvent, c'est de cette façon que les solutions arrivent, en posant des questions ouvertes. Donc, je vous invite aussi, si tout d'un coup, il y a des choses que vous savez pas trop, pour vous aider, ben, posez ce genre de questions. Et vous verrez que quand on pose une question, il y a toujours une réponse qui vient. Ça, c'est les lois de l'univers, la magie de l'univers. Alors, on va voir maintenant notre défi, hein. Le jugement. Ok. Alors, le jugement, c'est une lame qui nous parle de jugement, évidemment, hein, mais ça peut être la peur du jugement, mais c'est aussi et spécialement notre propre jugement. Donc, encore une fois, cette semaine, je dirais d'être attentive dans la façon dont on se parle avec nous-mêmes, la communication qu'on a avec nous-mêmes aussi. C'est aussi une lame de communication, donc la communication qu'on a aussi avec l'extérieur, d'accord? La façon dont on se parle, mais la façon dont on parle à l'extérieur aussi. Peut-être, si c'est en défi, ben peut-être qu'il y a des choses qui vont être plus difficiles à dire, plus difficiles à partager, à échanger, à communiquer. Peut-être des choses qu'on garde et puis qu'on n'arrive pas forcément à dire. Donc, à voir comment ça va se présenter. Mais là, ce que je vois aussi, c'est l'arc-en-ciel. Et puis, du coup, je dirais, c'est une lame défi, mais la ressource qui me vient quand même, quand je vois cette lame maintenant qui me vient, c'est que de rester dans cet équilibre, d'accord? C'est pas blanc ou noir, mais chercher toujours l'arc-en-ciel. Moi, je dis toujours, autant pour moi, mes proches, aux personnes que j'accompagne, de toujours chercher l'arc-en-ciel, parce que c'est la voie qui nous permet de tout dépasser. Donc, s'il y a plus de peine dans la communication, ben, cherchez l'arc-en-ciel qui va vous permettre d'exprimer ce que vous avez sur le cœur. Et on va voir maintenant la lame, la ressource qu'on a, la force. Ben, on en revient avec l'harmonie, avec... pour moi, la force, c'est vraiment cette notion de la maîtrise de nos émotions, d'accord, de garder cet équilibre, de ne pas avoir peur de nos émotions, mais de les maîtriser pour pouvoir les dépasser. Parce que finalement, une émotion, souvent, ben, on en a peur souvent de nos émotions, que ce soit de les exprimer ou que ce soit de les traverser, je dirais. Et quand on a des outils et qu'on apprend à les maîtriser, et ben là, il y a tout qui commence à changer parce que du coup, on développe notre pouvoir intérieur, je dirais, notre capacité à tout traverser, notre force intérieure. Donc, je ne sais pas si ça fait pour sens pour vous. Je vais juste me plonger un peu dans toutes les lames pour faire ressortir. Mais j'ai vraiment cette notion de cette semaine d'équilibre, de garder le cap, de trouver cette voie de l'arc-en-ciel. Et avec ce qui nous soutient dans le mois, donc cette semaine, ça sera avec cette illumination, cette idée qui peut venir d'un coup, qui vous amène peut-être, qui vous ouvre peut-être sur une nouvelle voie. Donc, s'il y a une nouvelle voie qui s'ouvre cette semaine, eh ben, pensez justement à rester bien connecté pour trouver votre boussole intérieure, à garder la capacité de communiquer, peut-être communiquer avec d'autres personnes aussi pour avoir des avis, de l'aide ou comme ça. Et puis surtout, à trouver cette force, à vous appuyer sur votre force intérieure, à gérer vos émotions pour pouvoir justement prendre cette nouvelle voie qui se présente à vous. Voilà, j'espère que ça fait sens pour vous. Pour moi, ben, il y a beaucoup d'énergie, beaucoup de force à disposition cette semaine sur laquelle on peut s'appuyer. Donc, même s'il y a des changements, parce qu'on est en moi comme ça, eh ben, on sait qu'on a cette force en nous. Donc voilà. Et puis, ben, si vous voulez que je vous accompagne à trouver aussi cet équilibre, ben, je vous invite vraiment à vous inscrire avec le lien ci-dessous à mes 5 jours. Et il y aura 4 jours de live et un webinaire final. Et puis, on va cheminer ensemble. Il y aura autant des enseignements que de la pratique. Je suis en train de vous préparer un cahier de route aussi que vous pourrez télécharger quand vous serez inscrit. Voilà, je vous l'enverrai au début des 5 jours pour pouvoir vous accompagner sur ce chemin. Donc voilà, j'ai hâte de vous y retrouver. En tout cas, je vous souhaite une magnifique semaine. Et puis, je vous embrasse fort, je vous aime fort. Et à tout bientôt.